evening, distinct audience of Parocratis Info TV. It has been a while now since our last news broadcast due to some technical malfunctionings. Nevertheless, we are delighted to have you back once again on this platform for your bilingual newscast on Parocratis Info TV. We are broadcasting from Yaoundé, the institutional headquarters of Cameroon. On to our headline. It's been some weeks now since schools reopened nationwide in Cameroon for the 2022-2023 school year. We will be bringing to you the stakes and perspectives of the school year. The first part of this news is in the French language with Eldad Maken. Bonsoir Eldad. Bonsoir Célestin. Après le culte du dimanche matin, le service de soirée de prière pour les malades et les nécessiteux a été marqué par la présence de Dieu manifesté. À cet effet, écoutons le briefing de Clémence Niem. Témoignage, témoignage, témoignage. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. C'est le sens même du culte de dimanche dernier au soir, où le frère Noé Chiogo disait, je cite, « Je n'ai pas de prédication ce soir. Je vous rendrai seulement mon témoignage de délivrance. Nous lirons ensuite une portion des Écritures et ce sera tout. » Fin de citation. Mission donc accomplie, témoignage rendu avec beaucoup d'onction, a suffi pour élever la foi du peuple, surtout lorsqu'on sait que le Dieu qui a délivré mon frère de la mort certaine est le même qui me délivrera de cet incirconcis, qui peut être la maladie, les liens sataniques, les malédictions ancestrales, l'échec, la stagnation, les blocages de tout genre, le célibat, etc. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, si je me mets dans le même canal de foi, j'aurai immanquablement la solution à mon problème. Ce n'est donc pas un rêve, encore moins de la mise en scène. C'est la réalité. C'est le Dieu vivant, le Dieu de notre papa Bahoya Samuel, notre apôtre. Il est réel, il agit encore et encore. Il est plus que capable de te donner le miracle que tu désires, de te décharger de ces fardeaux que tu traînes depuis si longtemps, de redonner un sens à ta vie, de te donner un nouveau départ et te restaurer. Viens à lui et connecte-toi. Dès dimanche prochain, 17h30, à partir du lien qui te sera donné, du Love Divine Sanctuary de Douala, de Yahshua Mashiach Tabernacle de Yaoundé, du Shalom Tabernacle d'Idéa. Ou alors, si possible, rends-toi physiquement à l'un de ces lieux de culte et à coup sûr, tu recevras le désir de ton cœur. Ne renvoie pas à plus tard, c'est aujourd'hui le jour du salut. Demain ne t'appartient pas. Shalom. En page santé, Josiane Djilo touchera cette fois les carences nutritionnelles rencontrées le plus souvent en zone urbaine et suburbaine. Écoutons son récit. Les carences nutritionnelles. La maladie nutritionnelle la plus originale est le kwashiorkor, qui apparaît à l'époque du sévrage chez les enfants souffrant d'une carence protéique. Cette malnutrition sévit surtout dans les zones urbaines ou sururbaines. Si les carences alimentaires sont multiples, le tableau clinique est celui d'une dénutrition qui traduit une carence calorique globale et non spécifiquement protéique. Les maladies protéiques ou caloriques globales de l'enfant sont beaucoup plus que simples déficits alimentaires. Elles sont aussi la conséquence plus ou moins lointaine de maladies infectieuses ou parasitaires qui ont perturbé l'équilibre nutritionnel. Des déracinements de familles récemment urbanisées coupées de leur milieu culturel et économique naturel, des désordres sociopolitiques qui compromettent l'approvisionnement en produits alimentaires pour ne citer que cela. C'est dit que la lutte contre la malnutrition
ou de la dénutrition ne peut jamais être résolu par les mesures ponctuelles. Les déficits alimentaires s'expriment aussi avec une grande fréquence chez les femmes enceintes. La vitaminose, autre expression des carences alimentaires, leur distribution géographique est assez inégalement répartie. Les plus fréquemment signalées sont les avitaminoses du groupe B, dont le beriberi ou la vitaminose B1. La carence en vitamine A aggrave le pronostic de la rougeole. Le rachitisme est peu rencontré dans les régions tropicales où les enfants bénéficient d'une bonne exposition solaire. Josiane Dulot, reporter santé, ici. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est dans cette perspective que les familles Temeu et Aziwo étaient à l'honneur le samedi 24 septembre 2022 pour l'union de leurs enfants au Yashua Macha Tabernacle. Astrid Ngara nous en dit plus. La vie est belle dans le Seigneur, comme le dit notre sœur Hortense Colomb. Ce samedi 24 septembre 2022, le frère Abel et la sœur Nina se sont dit oui devant Dieu et devant les hommes. La bénédiction nuptiale a été faite par le révérend Christian Omban, élu dans Jean Croix, verset 16, avec pour thème « À cause de l'amour ». La Bible dit « Dieu est amour ». Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous étions perdus, vagabonds, errants. Dieu a manifesté le plus grand amour qui existe, quitté son trône de gloire et donné sa vie pour nous sauver. Dieu est amour. Et c'est de cet amour qui nous demande de nous aimer les uns les autres, car seul l'amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et à la femme d'être soumise à son mari en toutes choses, car il est désormais le chef de famille. La femme sage bâtit son foyer et la femme insensée le détruit. Une femme dénominatrice ne vient pas de Dieu, c'est une Jézabel. Nous ne devons pas être des Jézabel. Après la bénédiction nuptiale, la prise des photos, place à l'ouverture du buffet fait par les mariés et ensuite une animation digne de ce nom s'en est suivie, les danses, les chants, les cris de joie, puis la remise des cadeaux. Les mariés sont rentrés heureux et bénissant le nom du Dieu Tout-Puissant. Astrid Ngara pour PCI. Les à côté du journal télévisé, dans les coulisses du tournage, c'est avec Muriel Osongo. Vous êtes des centaines à accorder de votre confiance au journal télévisé Bilan de Paroles Créatrices Info Télévision. Et parfois, à vous interroger sur la manière de traiter l'information ou de tourner le journal jusqu'à la diffusion. Ces quelques images vous plongent dans le quotidien des journalistes. Découvrez avec nous les coulisses d'un journal télévisé de 20 heures, dans une ambiance bon enfant. Cette vidéo immersive va vous permettre d'entrer dans les coulisses comme si vous étiez. Silence plateau. Moteur demandé. Sato. This and more will be brought to you in this newscast. The first part of this news is in the French language. With you, Edad Maken. Bonsoir, Edad. Good evening, sir. À titre d'annonce et d'information, nous vous informons que notre frère, l'artiste Paul Melchior, offrira un concert live le 19 novembre prochain au Love Divine Sanctuary Douala, Cameroun. That with the same taste and hunger for the word of God for their day, Christians of Love Divine Sanctuary, Yahshua Hamasha Tabernacle and Shalom Tabernacle Edeya, ate at the Lord's table. As usual, last week on Wednesday, Friday and Sunday, a full report of that with Promise Wongli. First of all, the spiritual program of the services last week was autonomous yet the same. On Wednesday, the people of God ended with the tape of the week before last, Broken Cisterns. Before the tape, the president of the Council of Deacons read in Jeremiah 2, 12 to 13 and gave a brief summary of the previous lessons. The tape started at paragraph 112 and ended in paragraph 163. Today, while the world drinks from cisterns, the bride is drinking from the cold, refreshing well of water springing up unto everlasting life.
While of Divine Sanctuary and Shalom Tabernacle EDU had an all-night on Friday, Yahshua HaMashiach had a normal service because of the wedding. Yet, on this day, Tape, the future home of the heavenly groom and the earthly bride, was introduced. The biblical references were 2 Peter 3 and Revelation 21. Sunday was more hot, colorful, and bubbling with a large number of Christians and unusual praises. The people of God had another 1 hour listening of the tape started on Friday. The tape was launched from paragraph 64 and cut at paragraph 158. It is at noon past some minutes that the happy Christians were sent away after the final prayer. Sunday evening prayer services for the sick and afflicted is gaining grounds in our various churches, as God is always in the rendezvous with blessings and deliverances for His people. Baneno Zugia brings to us details of these services of last Sunday. The success of Christian life is not possible without prayer, because the Lord Jesus Christ has commanded us to pray without ceasing. This Sunday, September 25, 2022, in the Love Divine Sanctuary, Yahshua HaMashiach Tabernacle and Shalom Tabernacle Edea Assemblies, the church was at its usual appointment for prayer for the sick, and God, faithful to His word, does not fail to bless His people. The exhortation at the Love Divine Sanctuary was made by Brother Noé Chiogo, while in Yahshua HaMashiach Tabernacle, it was Brother Jean-Luc Mungole who respectively led the church to believe in the same Jesus who does not change, taking Him out of history. The testimony speaks, Jesus Christ is indeed the same yesterday, today and forever. We thus encourage those who are sick or afflicted to come and experience this God who does not change. On to our information page, one of our gospel artists, Paul Mekyor, will be holding a live concert on the 19th of November 2022 at Love Divine Sanctuary, Douala, Cameroon. Fidèles téléspectateurs de Paroc Réa Christ Info Télévision, bonjour. Grande et ma joie de vous retrouver pour cette nouvelle édition dans le cadre du journal bilingue de notre invité. Aujourd'hui, nous recevons un homme assez spécial, car à lui seul, il revêt beaucoup de casquettes. Non seulement il est diacre, il est prédicateur, il est chef de famille, il est enseignant et bien d'autres encore. Vous l'avez certes deviné, il s'agit de notre papa diacre. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau le révérend Christian Omban. Shalom, pasteur. Shalom, Laetitia. Bienvenue sur Paroc Réa Christ Info Télévision. Je vous en prie, merci. Comment est-ce que vous vous sentez? Je me sens très honoré d'être reçu sur votre plateau une énième fois. Oui. Oui, une énième fois, comme il a dit, ce n'est pas la première fois qu'il passe ici, c'est déjà le chez lui. Hein. Il est chez lui, il est chez nous. Nous sommes chez nous aussi. Alors aujourd'hui, nous vous recevons pour une nouvelle édition dans le cadre de la rentrée de nos programmes. Et nous avons assez de questions pour vous aujourd'hui. J'espère satisfaire à vos attentes. D'accord. L'année scolaire a repris le 5 septembre dernier, oui, et sur toute l'étendue du territoire national, avec un fort accent sur le digital, d'où le thème « Rentrée scolaire 2022-2023, le digital au centre des priorités ». Un mot sur ce thème? Oui, en effet, quand on parle de la digitalisation des enseignements, ouais. C'est pas en 2022-2023 que ça commence. Son Excellence, Madame la Ministre des Enseignements Secondaires, j'ai nommé le docteur Naova Lyonga, depuis les années Covid, par le 2020 déjà, avait initié le concept de distance learning, parce que les enfants étant à la maison, coupés des enseignements pendant plusieurs mois, il fallait trouver des moyens de ne pas les sévrer totalement de l'école. Alors, on avait commencé à tester déjà ce concept, distance learning, et par là, il y avait des programmes qui passaient à la télévision, à travers les forums WhatsApp, les enseignants envoyaient des leçons aux enfants. Et aujourd'hui, donc, ça évolue, ça va un peu plus loin, parce que
aujourd'hui, on entre complètement, je vais dire de plein pied, n'est-ce pas, dans l'appropriation de la technologie. Je vais dire, oui, de la technologie, pas l'éducation, parce que nous ne voulons pas être sévrés, n'est-ce pas, de la globalisation. Nous savons qu'aujourd'hui, dans le monde entier, tout est digital, et même également dans les enseignements. À notre niveau au Cameroun, nous essayons de faire un pas en avant dans ce côté-là, pas pour que les enfants, pas seulement les cahiers, mais que ce soit beaucoup plus la technologie de plus en plus. Et comment aborder le sujet au niveau des apprenants, des élèves? Comment se gèrent les choses là-bas? Déjà, il y a le programme d'informatique qui a été inséré dans les enseignements depuis plusieurs années. Les professeurs sont déjà formés à l'école normale. Il y a déjà tout un département d'informatique dans toutes les écoles normales du Cameroun. Il y a des professeurs d'informatique qui sont formés. Et puis, de plus en plus, il y a des outils qui sont octroyés aux établissements scolaires dans pratiquement tous les lycées du pays. Il y a une salle informatique, la ministre des enseignements secondaires, avec les délégués régionaux, les délégués départementaux, n'est-ce pas, ils ont distribué beaucoup d'ordinateurs dans beaucoup d'établissements pour faciliter, n'est-ce pas, la digitalisation des enseignements. Oui. Ça veut donc dire que pour ceux, des enseignants sortis de l'école normale, cela des années plus tôt, l'ancienne école, n'ont pas eu la grâce de participer à ces formations. Ça veut dire que des ateliers de formation sont organisés tout le temps? Oui, il y a ce qu'on appelle le updating, donc des mises à jour. Oui. Des mises à jour. Les enseignants que nous sommes, que nous ayons été à l'aide de l'informatique ou pas, nous sommes appelés à nous mettre à jour. Maintenant, je précise bien qu'il y a un département d'informatique, c'est-à-dire des professeurs qui sont spécialisés dans l'enseignement de l'informatique. Maintenant, nous autres, qui sommes des autres disciplines, moi par exemple, je suis professeur d'anglais, nous sommes également appelés à nous adapter. Moi aujourd'hui, j'ai un ordinateur portable, ce que je n'avais pas avant. Et puis, c'est comme ça, on va en classe, on a des ordinateurs et on essaie un peu d'utiliser tous ces outils-là parce qu'il faut se mettre à jour. C'est ça. OK. Vous revenez d'une longue période de vacances et comment est-ce que vous avez pu gérer cela entre votre travail de prédicateur et votre rôle d'enseignant, loin de la craie, loin du tableau? Oui, en effet, nous avons eu pratiquement 3 mois de congé. C'est vrai que les enseignants, ce n'est pas toujours exactement 3 mois parce qu'il y a les corrections des examens et beaucoup d'autres choses. Qu'à cela ne tienne, nous sommes reposés. C'est très important le repos. Pour essayer de relaxer la mémoire afin de se préparer pour la rentrée qui a commencé il y a quelques jours. Donc, nous nous sommes reposés, je me suis reposé. C'est vrai qu'il y a les activités spirituelles qui m'interpellaient toujours, donc j'étais toujours à l'église aussi. Mais l'église, ce n'est pas tous les jours, ce n'est que 3 fois par semaine. C'est vrai qu'il y a des cas des chrétiens qu'il faut visiter de temps en temps, des chrétiens qu'il faut conseiller. Mais au-delà de tout cela, on se repose. D'accord. Oui, et vous allez qualifier la reprise de cette année comme une reprise normale ou bien un peu timide? Comment la qualifierez-vous? La rentrée scolaire a bel et bien eu lieu. Je suis mal placé pour juger la rentrée de timide ou de normale parce que je n'ai que le regard d'une personne. Peut-être c'est les journalistes comme vous, regardant la chose de l'extérieur et qui avait peut-être un plus grand nombre d'informations, vous pouvez juger de la qualité de la rentrée. Mais à notre niveau, nous autres enseignants, nous sommes entrés à l'école. On a commencé effectivement, malgré la vie qui devient de plus en plus chère, les manuels scolaires qui sont difficilement accessibles par tous les parents. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à la 2e semaine, terminée bientôt demain. Et nous avons encore des élèves qui n'ont pas certains manuels, d'autres n'ont pas tous les cahiers. Aujourd'hui, je faisais cours avec des élèves qui utilisaient encore les cahiers de l'année passée. Parce que les parents ont ce défi-là d'accéder, n'est-ce pas, au support pédagogique. Ce n'est pas toujours évident, mais la rentrée est effective. Les enfants sont là, ils sont aussi là. D'accord. L'année passée, l'année dernière déjà, l'année a été secouée par beaucoup de turbulences, parmi tant d'autres, le COVID et la grève des enseignants. Et cette année, pensez-vous que les choses changeront ou bien on a une année meilleure qui va se dérouler? Comment est-ce que vous voyez les choses? Je ne suis pas très bien placé pour décider à la place de tout le monde. Je suis enseignant. Moi, ma volonté, c'est d'enseigner. Donc,
Maintenant, il y a des collectifs d'enseignants qui manifestent leur mécontentement à cause de la manière dont ils sont traités. Et nous espérons que les choses aillent mieux cette année, comme d'ailleurs l'année scolaire a commencé. Nous espérons que les choses aillent mieux. Notre souci, notre désir, notre volonté, c'est que les enfants puissent recevoir tous les enseignements dont ils ont besoin. Bon, maintenant, est-ce que ça va aller mieux? Est-ce que ça ne va pas aller mieux? Il est question pour le gouvernement et puis les enseignants de s'asseoir et puis décider ensemble. Mais je crois que les choses sont en train de se dessiner mieux, puisqu'il y a une grève qui avait été annoncée, mais finalement, elle n'a pas eu lieu. Je pense que le gouvernement est en train de faire des pieds et des mains pour que les enfants, les élèves, les apprenants puissent avoir les enseignements auxquels ils ont droit. D'accord. Que pensez-vous de cette mesure prise par le gouvernement qui stipule que les élèves de moins de 12 ans ne peuvent pas participer au concours d'entrée en 6e? Oui, en effet, les parents, ça c'est une mesure qui concerne beaucoup plus les parents, parce que ceux-ci devraient comprendre. Pour certains parents, c'est comme une sanction. Pour d'autres, qui sont un peu plus éclairés, compréhensible. Il faudrait juste expliquer que le développement psychocognitif de l'enfant, il va de pair avec le développement somatique. Ça veut dire que la connaissance, la compréhension, au niveau même de compréhension de l'enfant, n'est-ce pas, ne varie pas, mais il va de pair avec sa croissance physique. Donc, parfois, on s'est retrouvé à l'école avec des enfants de 2 ans, juste parce qu'ils savent déjà articuler quelques mots, alors qu'ils ne sont pas encore prêts pour, n'est-ce pas, le cadre scolaire. Alors, le gouvernement, à cause de ces problèmes que les enseignants ont rencontrés, là, je veux parler de la base, au niveau de la petite maternelle, on se retrouve avec des bébés, qui ne peuvent même pas encore dire « je vais faire pipi », ce genre de choses. Et on les envoie déjà à l'école, et ils sont ainsi sévrés très tôt de leurs parents. Alors, le gouvernement a pensé qu'il faudrait vraiment donner aux enfants tout petits, n'est-ce pas, l'occasion de grandir auprès de leur maman, n'est-ce pas, de terminer d'abord la maternité avant d'aller à l'école. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal qu'un enfant entre en sixième ayant déjà 12 ans. C'est tout à fait normal parce que là, il peut déjà quand même exprimer un certain nombre de besoins. On s'est retrouvé, moi je suis au secondaire, on se retrouve parfois avec des enfants en 6e, à l'âge de 8 ans, 9 ans, qui font encore pipi sur eux. C'est quand même pas facile à gérer. Alors, quand un enfant arrive en 6e, avec 12 ans, on pense quand même qu'il est déjà assez mûr. Et puis, il y a également au niveau de la pédagogie, il peut déjà comprendre un certain nombre de choses. Donc, je pense que c'est une mesure qui est très bienvenue. Je conseillerais que les parents, ceux des parents qui tardent à comprendre cela, qui puissent accepter cette décision gouvernementale. D'accord. Toutefois, sans être indiscrète, pourrions-nous connaître combien d'années est-ce que vous avez déjà fait dans l'enseignement? Cette année, 2022-2023, j'entre dans ma 17e année. 17 ans déjà? Ah, ça, et quelle est la plus belle expérience que vous pouvez retenir de tout votre parcours jusqu'ici? Je vais pas aller loin. Juste avant-hier, j'ai rencontré un de mes élèves de l'année passée de Terminal A. Il m'a dit qu'il a eu son relevé de notes du bac et il a eu 16 en anglais. Et ça, je me suis vraiment senti honoré. C'est la meilleure chose qu'un enseignant puisse avoir, de savoir que le travail qu'il a fait a porté des fruits. Quand vous marchez dans la rue, un monsieur gare une voiture, vous appelle, monsieur, et vous regardez, il dit, je suis votre ancien élève, vraiment, il n'y a rien de plus beau. Bon, et en tant qu'enseignant et homme de Dieu, comment on fait pour réussir une année scolaire? Pour réussir une année scolaire, il faut travailler. Il faut travailler.
Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui pensent que parce qu'ils sont chrétiens, alors il suffit juste de venir prier et Dieu va faire le reste. La prière a sa place, mais le travail scolaire a aussi sa place. Un bon élève, il prie, il étudie ses leçons et il passe parce que Dieu fera toujours le reste. Il ne faudrait pas arrêter d'étudier, il ne faudrait pas arrêter de prendre ses leçons parce qu'on est chrétien. Au contraire, c'est le chrétien qui doit montrer le bon exemple. Il doit montrer le bon exemple, n'est-ce pas, en allant à l'école, en étant ponctuel, en étant assidu et en étant discipliné. Quand un élève remplit tous ces critères-là et qu'il vient dans la maison de Dieu, Dieu ne peut que le bénir. Je ne vois pas un élève qui se soumet aux lois de Dieu et qui échoue. D'accord. Et à la maison, comment est-ce que vous parvenez à gérer vos enfants, le travail? Vous les répétez vous-même à la maison? Non. Ah bon? Je ne fais pas de répétiteur. Mais j'encourage les enfants à étudier. Si un enfant a un devoir, il est de mon devoir de père de l'aider à le faire. Je ne vais pas faire son devoir à sa place, mais je vais l'aider à le faire. Ça veut dire quoi? Je peux lui expliquer sa leçon. Je ne suis pas enseignant de toutes les matières. Ouais. Vous convenez avec moi qu'on ne peut pas enseigner toutes les matières. Ça ne fait même pas sérieux. Personne dans la science infuse. Vous comprenez? Donc, je dois assister mes enfants. C'est le devoir de tout parent d'assister ses enfants. C'est ce que j'essaye de faire. Bon, ils ont la grâce que je suis professeur d'anglais. Je peux également expliquer l'anglais. Donc, c'est ça. Donc, je peux leur expliquer leurs leçons et puis je leur demande de faire le devoir. Et puis, ils ont également la grâce qu'étant enseignant, je peux pré-corriger. Ils travaillent d'abord au brouillon, je corrige. S'ils ont trouvé, alors ils le mettent maintenant au propre et ils vont à l'école. Ouais. C'est comme ça qu'on essaie de les encadrer. D'accord. Nous sommes parvenus au thème de cette émission. Vous avez un mot spécial pour Paro Créatrice? Je vais emprunter à deux grands hommes. Le premier, c'est notre chef de l'État, qui, dans un discours lointain, disait un seul mot, continuer. Ensuite, je vais emprunter à notre réel père, le révérend pasteur Samuel Baouya, qui disait toujours garder la chose principale, principale. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est effectivement en gardant la chose principale, principale, qu'on vous remercie de nous avoir écoutés dans cette nouvelle édition du journal Bilingue. Dans le cadre de l'invité, c'était Laetitia Mbogo à votre micro et nous nous revoyons prochainement. De ce journal, avant de nous quitter, rappelons le titre. Déjà plusieurs semaines après la rentrée scolaire pour le compte de l'année scolaire 2022-2023, quelques idées par rapport ont retenu notre attention dans ce journal. Journal produit avec la réalisation de Mervyn Niamsi, la coordination de Ghislain Banguet et la supervision du révérend pasteur Baoye Samuel. Au revoir Célestin. Goodbye, Eldat. À jeudi prochain, 20h.